Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui avec une autre lecture en amont pour vous. Aujourd'hui, ça va être choisissez votre carte. Alors, vous allez pouvoir faire un choix. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu. OK. Alors, pour chaque groupe, euh, je vais prendre, ça va être la même chose pour chaque groupe. Donc, on va aller regarder ici aujourd'hui les pensées et sentiments de l'autre personne par rapport à vous et cette connexion. Je vais commencer avec une carte de Journey of Love. Après, on va aller clarifier avec des tarots. Et si j'ai besoin de plus de clarification, ça dépend de la lecture, euh, je vais aller chercher avec d'autres tarots. Et je vais terminer avec une chanson. Ça va être très simple et court aujourd'hui vu qu'il y a trois groupes et je dois aller travailler. <laughs> OK, alors groupe numéro un, on commence avec vous. On va aller regarder euh, les sentiments et pensées de l'autre, l'énergie que l'autre tient pour vous. OK, donc on va aller regarder leur énergie par rapport à vous. Et cette connexion, on va regarder en premier l'énergie. OK. Une carte seulement. Alors, c'est le solstice d'été qui commence et on entre tranquillement dans la saison des cancers. Donc, bonne fête à tous ceux qui auront des fêtes. Heart of God. Donc, c'est beaucoup de passion que cette personne a pour vous. Cette personne euh, voit cette connexion comme euh, quelque chose, un cadeau de Dieu. Okay? Un cadeau de Dieu. C'est une connexion qui a changé beaucoup la vie de cette personne. Okay? Cette personne ne voit plus les choses de, de la même façon, tranquillement, les choses transitionnent. Et cette personne fait toujours son ascension, c'est une ascension du cœur en fait. Le cœur qui s'ouvre, OK? Alors on dit, on a besoin d'avoir plusieurs peines d'amour avant que le, le cœur s'ouvre, OK? Ou, ou pour que le cœur puisse s'ouvrir vraiment. Donc cette personne a passé ou passe possiblement par beaucoup um, de peines, OK? Et ce qui fait que cette personne s'ouvre de plus en plus. D'habitude, ça fait le contraire peut-être pour certaines personnes, mais cette personne a énormément de passion et d'amour pour vous. Okay? Donc, si vous doutez, ne doutez pas, regardez la carte ici. Désolée, c'est le soleil, la lumière. <laughs> la lumière qui éblouit. Donc, oui, cette personne euh, vous voit comme quelqu'un qui a un très bon cœur aussi, quelqu'un qui... Cette personne aime votre cœur, aime votre, euh, votre esprit, comment vous faites les choses et elle a beaucoup d'amour pour vous et elle sait que vous avez beaucoup d'amour pour elle. On y va maintenant avec des tarots, c'est super. Très, très beau, groupe numéro un. C'est très, très beau. On va y aller avec des tarots pour regarder plus profondément maintenant les sentiments et pensées pour vous que cette personne a. Je vais revenir aussi avec une lecture pour les célibataires dans les prochains jours. On a le roi des baguettes. Donc cette personne veut prendre une action okay, vers vous. Un Sagittaire, Lion, Bélier, cette personne vous aime beaucoup. Son cœur, son cœur est enflammé d'amour pour vous que j'ai ici. Okay? Et je, vais, je vais utiliser des termes que j'utilise vraiment pas dans la vie, mais c'est canalisé, les termes que j'utilise la majorité du temps. Donc, son cœur est enflammé pour vous. <laughs> Ça c'est pas quelque chose que je dis d'envie. On a le 3 des épées. Donc, c'est comme je vous dis, le cœur qui s'est crevé à plusieurs reprises pour ouvrir les yeux de cette personne, ouvrir le cœur. Donc, cette personne vit possiblement une difficulté dans cette connexion avec vous. Donc, il y a peut-être une séparation ici et cette personne, son cœur s'ouvre durant cette séparation. OK? Pendant cette séparation euh, Il y a beaucoup d'éléments du cœur dans cette lecture. Pour le groupe numéro 1, on a le 9 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau et ici c'était Gémeaux, Balance, Verseau comme énergie. Cette personne a beaucoup d'admiration pour vous. Elle a l'impression vous lui avez brisé un peu le cœur. Deux découpes, cancer, poisson, scorpion. Regardez si c'est beau. Cette personne vous voit comme son âme-sœur, sa personne, euh, sa meilleure amie ou son meilleur ami. Euh, elle vous voit comme quelqu'un de très, très beau, belle, très accompli. Elle est même fière de vous. Cette personne est fière de vous, de tout ce que vous accomplissez dans votre vie. Et c'est sûr que s'il y a une séparation, cette personne aimerait pouvoir euh, résoudre ce problème, réconcilier avec vous, euh, possiblement vous amener quelque part, hmm, peut-être souper, manger, manger boire, euh, ben, juste un petit moment ensemble euh, où est-ce que vous pouvez échanger et avoir du bon temps. OK? Euh, possiblement que cette personne aimerait éventuellement vivre avec vous, ok? C'est très, très beau. Avec le 3 des épées, je vais quand même chercher une carte pour clarifier le 3 des épées. Mais cette personne vit une séparation avec vous ou a vécu euh, une séparation plutôt douloureuse, mais qui, qui était nécessaire. On a le 7 des euh, baguettes, Sagittaire Lyon-Bélier ici. Donc, il y a eu possiblement euh, ici une dispute entre vous deux. OK? Ou est-ce que euh, quelqu'un s'est senti vraiment avoir besoin de se défendre ici? OK? Quelqu'un a eu l'impression d'avoir. Euh, les paroles étaient un petit peu. C'était enflammé comme parole, OK? On voit ici le feu qui sort de la bouche de cette personne. Um, oui, ce, cette personne vous aime beaucoup, le roi des baguettes, c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'action. Par contre, um, ici, dans cette lecture, on peut voir un peu uh, cette personne qui parle très fort, OK? Et que l'autre personne ici uh, est sur la défensive. Donc, ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais ça peut être pour certaines personnes euh, que vous aviez eu à vous défendre ou il s'est passé quelque chose ici avec cette personne qui a, qui a blessé les deux ici. Mais cette personne vous voit vraiment comme sa meilleure amie ou son meilleur ami et est très fière de vous, OK? Et vous, elle vous veut dans, dans sa vie, OK? On va aller chercher maintenant une chanson. Non, en fait... J'ai oublié, mais je vais aller chercher quand même euh, des messages de cette personne. J'avais oublié de le dire au tout début, que j'incluais quand même trois messages de cette personne pour chaque... Je ne crois pas être assez bien pour toi. Donc, c'est peut-être aussi des sentiments du passé ou c'est très récent, il y a quelque chose chez cette personne. Tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. Donc, comme je vous dis, l'impact que vous avez eu chez cette personne dans le groupe numéro un, c'est l'ouverture du cœur et la réalisation de beaucoup d'amour qui, qui que cette personne a pour vous. Et on a, je prie pour toi chaque jour. Donc, cette personne vous tient vraiment à cœur. Elle vous aime et c'est un amour sincère et très authentique. J'y vais maintenant avec une chanson pour vous, groupe numéro 1, pour terminer la lecture, cette belle lecture. Ah! Je vais prendre juste la première qui est tombée ici. La chanson du jour pour vous, groupe numéro 1, c'est Instant Crush de Daft Punk. Donc, je vais je vais coller ça dans la boîte de description pour vous, groupe numéro 1, à la fin de la lecture. Merci d'avoir été présent et on se reparle très, très bientôt. Bonne journée. Bye-bye. On poursuit maintenant avec groupe numéro 2. J'y vais de la même façon aussi. J'avais oublié d'indiquer que j'étais pour euh, aussi prendre un message de cette personne à la fin. Donc, allons voir tout de suite l'énergie de cette personne pour vous. Il est 5h55. <laughs> je dois le dire, quand je vois une synchro. <laughs> OK, on va aller regarder euh, l'énergie de cette personne par rapport à vous, comment elle vous... Euh, ses pensées, ses sentiments pour vous. OK. Message pour groupe numéro 2, s'il vous plaît. La danse commune. Donc, on a déjà, possiblement que vous êtes déjà en union avec cette personne ou une grande communication quand même. Il y a beaucoup d'amour. Si l'union n'est pas là, l'union s'en vient. OK? Donc, il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'éclaircissement dans la connexion, beaucoup de compréhension des deux, respect, beaucoup de bon temps. On commence à comprendre les choses et l'ascension vraiment est dans son est dans son meilleur ici, OK? On commence à comprendre vraiment euh, cette connexion. On a une pleine lune ou une nouvelle lune qui va rendre ces choses euh, possibles, cette union possible. Et avec la nouvelle lune euh, du 10 juin, il y a possiblement eu des grands changements ici dans l'énergie le, entre les deux. OK. Entre les deux personnes. OK. J'y vais avec des tarots. Donc, c'est très, très beau. À date, il y a beaucoup d'amour. Il y a union aussi, cette énergie de union. Euh, Peut-être aussi de, de, de partir. De... En fait, c'est une célébration, possiblement, qu'il y a beaucoup de gens autour qui aimeraient pouvoir célébrer cette union entre vous et cette personne. D'autres messages, s'il vous plaît, les pensées et sentiments pour vous de cette personne. On a le prince des épées, gémeaux, balance, verso. Cette personne veut voler vers vous, OK? Elle, elle est vraiment tirée vers vous. On a le quatre des épées, encore gémeaux, balance, verso. Présentement, cette personne vous surveille, elle surveille euh, comment vous faites les choses, elle passe beaucoup de temps seule à méditer sur cet amour. On a la reine des épées, beaucoup, beaucoup d'énergie, air, gémeaux, balance, verso, date. c'est vraiment l'énergie et on a le 2 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Donc, cette personne, possiblement, a une petite crainte euh, par rapport à vous, okay, vous semblez euh, pour cette personne qu'elle ne peut pas vous, euh, vous mentir, que vous allez voir vraiment très clair. Euh, donc, elle va en premier essayer de voir qu'est-ce qu'elle peut faire avec vous, comment elle peut vous aborder. Elle médite beaucoup là-dessus. Okay? C'est quelqu'un qui... Euh, a une certaine crainte. Elle a peur. Elle vous voit comme quelqu'un de très intelligent. Donc, elle vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et qui pourrait voir très clair. Donc, elle essaie de trouver la meilleure façon de vous aborder, de vous, de juste être avec vous. Okay? Donc, s'il y a une séparation ici, cette personne ne parle pas présentement. Elle cherche juste le meilleur moyen de... De vous montrer comment elle se sent. Elle, elle veut savoir exactement comment vous vous sentez et elle ignore comment vous vous sentez présentement. Elle ne sait juste pas. Peut-être qu'elle pense que tout va bien et peut-être que s'il y a une séparation, peut-être qu'elle pense que vous êtes mieux sans elle. Donc, s'il n'y a pas d'indices, elle cherche des indices de comment vous pouvez vous sentir par rapport à elle. Ça, ça c'est pas pour tout le monde nécessairement, mais c'est ce que je vois ici et elle, a, elle essaie de trouver le, le meilleur moyen. OK? Il y a aussi possiblement que cette personne aurait des choix à faire. Le choix, ce serait de choisir d'être avec vous ou pas être avec vous. Donc c'est pas choix, choix entre deux personnes, je vois pas, je ressens pas d'autres énergies vraiment. Je ressens juste l'énergie de d'autres personnes qui aimeraient célébrer cette union si cette union éventuelle, ok Donc cette personne est très curieuse de vous, elle vous surveille, elle n'en parle peut-être pas, elle médite beaucoup sur cette connexion par contre. Elle médite beaucoup, euh, elle y pense. OK. Donc ça, je vais aller chercher des messages de cette personne et une chanson pour terminer votre lecture. Groupe numéro 2, s'il vous plaît, trois messages de leur personne, de leur autre. S'il vous plaît. Je prie pour toi chaque jour. Elle est sortie aussi pour groupe numéro 1. Donc, cette personne pense à vous beaucoup. Vous êtes dans son esprit. J'aimerais avoir le courage de te dire ce que je ressens. Donc, une confirmation de ce que je vous disais. Cette personne euh, a une petite crainte ici de, de votre réaction. Okay? Donc, peut-être qu'elle vous a dit des mots un peu difficiles ou il s'est passé quelque chose et elle a, elle a peur de votre réaction. Tu as impacté ma vie de... D'une manière que tu ne sauras jamais, elle aussi sortie pour le groupe numéro 1. Donc, ça peut être une continuation du groupe numéro 1. Vous pouvez toujours aller voir. N'oubliez pas que toutes les lectures pourraient vous parler aujourd'hui. OK? Alors, c'est pas tout. <laughs> je m'en allais dire, c'est tout. Mais je suis en train d'oublier la chanson. Je vais aller chercher une chanson pour vous. Groupe numéro 2. Je pense que c'est elle qui est tombée en premier. Alors, je vais prendre elle. On a One of These Mornings de Moby. OK. J'adore cette chanson. Tellement bon. OK. Alors, je vais vous coller ça dans la boîte de description. Groupe numéro 2. Merci beaucoup d'avoir été présent et merci de liker et de partager. On se reparle très très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Et là, on poursuit avec groupe numéro 3. Que je vais choisir aussi des messages. J'avais oublié de le dire à la... Au, au tout début qu'il y avait aussi des messages de l'autre à la fin. OK. Alors, allons voir l'énergie euh, globale en général ce que cette personne a pour vous, ses pensées, ses sentiments pour vous, son énergie avec Journey of Love. OK. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Groupe numéro 3, les sentiments et pensées que cette personne a pour vous. S'il vous plaît. On a ici the pearl threaded. Donc la perle, la perle qui est enfilée ici et on voit le filon attaché. Cette personne se sent vraiment attachée à vous, OK? Pas un mauvais attachement. Un attachement. Pas un mauvais attachement, en tout cas. Um, cette personne ressent beaucoup de paix intérieure lorsqu'elle est en présence de vous, OK? Lorsqu'elle est en votre présence, elle ressent beaucoup de paix. Elle a l'impression d'avoir rencontré sa perle rare. Euh, il y a un filon qui vous attache à cette personne et c'est divinement... C est, c est, c est, ce filon est divin. Okay? Ce filon est... C'est un filon qui ne se détache pas du tout et qui ne se détruit pas à travers le temps. Okay. On a possiblement une connexion flamme jumelle ici, très, très forte, avec le chiffre 38 qui se réduit à 11. Um, vous êtes et qui se réduit à 2 à la fin. Donc, vous êtes vraiment, c'est une connexion d'âme. Okay? C'est une connexion sacrée. C'est une connexion qui est... Euh, c'est une grande responsabilité cette connexion c'est une grande responsabilité chez les deux ok je vais y aller avec des tarots cette personne vous aime beaucoup elle ressent ce besoin d'être avec vous et quand je parle d'attachement ici chez ces deux là c'est pas malsain ok c'est pas malsain on voit de belles couleurs c'est très paisible lorsque vous êtes en présence l'un l'autre, euh, le temps ne compte pas. Donc, vous pouvez trouver aussi que le temps passe très, très vite lorsque vous êtes en présence de cette personne, que le temps ne compte pas, que c'est votre autre et cette personne a aussi ce sentiment. On va y aller avec des tarots pour voir plus profondément. On a le roi des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Elle est sortie aussi pour le groupe numéro 1. C'était la première carte. Cette, cette lecture de trois groupes peut être une lecture au complet. Okay? Elle, les messages souvent se suivent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Alors, elle, les messages peuvent vous parler en partie, sinon toutes. On a le 7 des baguettes. C'est fou. J'ai brassé quand même les cartes. Là. Elles sont sorties presque en ordre. Cette personne vous a possiblement dit des choses dans le passé qui a créé un peu d'instabilité dans la connexion. On a le 6 des pentacles. Donc, cette personne. Cette personne voit un partage égal, aimerait. Euh, pouvoir s'occuper de vous comme vous vous occupez de elle. Et on a le 3 des épées, gémeaux, balance, verso. On a capricorne, vierge, taureau ici. OK, je vais aller regarder qu ce qui se passe ici. Moi, j'ai l'impression que cette personne a peur de vous perdre. OK, au départ, ici, c'est comme si... Elle a peur, le, le filon, OK, le filon qui vous tient, là, elle a peur que ça casse, mais ça ne cassera pas. Mais cette personne a, a l'impression d'avoir, que vous allez euh, juste partir plus loin et le, le filon va s'étirer. <laughs> OK. Il y a un élément de dispute ici. Il y a un élément de cœur possiblement brisé, mais des choses qui deviennent plus claires à travers cette peine euh, cette personne a l'impression de, de vous de vous perdre de vous avoir perdu euh, d'avoir perdu cette énergie de, de vous, vous, vous occupez beaucoup de cette personne. Vous vous êtes occupé beaucoup. Vous avez amené beaucoup de paix, de lumière dans la vie de cette personne. Vous l'avez, vous, vous lui avez montré comment partager de elle-même parce que vous l'avez fait. Donc, elle suit votre exemple maintenant. Ou elle, elle, elle pense beaucoup à comment vous êtes. Vous vous êtes donné dans cette connexion, okay? comment vous vous êtes donné, vous avez été généreux, généreuse avec cette personne et elle vous aime beaucoup, mais elle a l'impression qu'elle vous a mis sur la défensive euh, ou elle est sur la défensive par rapport à vous. ok Peut-être que cet amour lui fait peur. Euh, on a le 3 des épées, je veux quand même aller chercher euh, clarification pour le 3 des épées ici. Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous et cette personne, une peine, une séparation euh, qui a permis à cette personne de voir qui vous êtes et de voir plus clairement dans cette connexion. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Et deux des épées. Donc, cette... Peine ici qui a été vécue que cette personne vous a fait possiblement vivre, c'est dû à une indécision, ok C'est dû à euh, quelqu'un qui vous a possiblement ignoré plusieurs fois dans le passé, qui vous a fait attendre beaucoup. Vous aviez l'impression que vous devez attendre une décision qui n'a pas été vraiment discutée non plus, ok Cette décision d'être avec cette personne. Elle pas, ça n'a pas été discuté vraiment beaucoup. Donc, cette personne vous a beaucoup fait de peine euh, avec son indécision. Alors, prenez les messages comme elle vous parle. Ça peut être aussi vice-versa. OK, donc, cette personne a possiblement, elle, elle vous aime. Elle a beaucoup de sentiments pour vous. Cette personne a beaucoup de passion pour vous. Euh, et elle voit votre bonté. Okay? Elle voit que vous êtes cette perle rare qui est rentrée dans sa vie. Et elle sait qu'elle vous a mis en attente pour beaucoup trop longtemps. On va aller chercher des messages de cette personne et une chanson pour terminer votre lecture. Groupe numéro 3. J'espère que ça vous parle. Ici, il y aura juste pour vous dire que dans cette connexion ici... Il n'y a rien à craindre. Vous avez ce filon qui vous rattache à cette personne. Ce n'est pas terminé. Vous pouvez avoir l'impression que c'est terminé ou cette personne a l'impression que c'est terminé, mais ce n'est vraiment pas terminé. Donc, c'est comme un, un répit ou une période de transition. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble. Donc, il y a toujours cet, cet élément d'être fort ensemble. On est ensemble. On est ensemble énergétiquement. Et lorsque vous êtes en présence l'un l'autre, c'est très, très fort. Merci de m'aimer inconditionnellement. Donc, cette personne vous voit, OK? Vous a vu comme ça, donner, 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 même quand elle n'était pas super gentille avec vous, disons, OK? <laughs> Et on a... Je ressens le besoin d'être seule pour le moment, donc... C'est toujours cette énergie de cette personne, j'ai besoin de penser, j'ai besoin de juste être sûr de mes choses. Il y a une période de transition chez cette personne. Donc, il y a possiblement ici, il y a eu un, un, un répit de la connexion, OK? Cette personne a besoin de penser avant, OK? Elle a besoin d'être seule pour penser à, à son prochain, euh, sa prochaine action vers vous. Et aussi de guérir. Donc, si cette personne a encore du travail à faire, c'est certain qu'elle a besoin d'être seule, c'est certain, euh, surtout si c'est une bonne guérison. Donc, ce n'est pas tout le temps, vous pouvez guérir ensemble, vous pouvez vous travailler ensemble dans ce sens-là. Et lorsque je dis guérison, c'est toujours des vieilles façon de faire, ok, c'est des vieilles façons de faire, des vieilles habitudes. Ah, oh, cette personne à moi dit ça, ça doit vouloir dire ça. Euh, c'est des choses comme ça, ok. Cette personne a besoin de vraiment tasser parce que les, cette façon de penser éloigne beaucoup de gens de cette personne. Donc elle, elle réalise tout ça. Que okay? c'est pas juste avec vous, ok. Cette personne est son énergie est souvent sur la défensive, mais pas parce qu'elle n'aime pas, mais c'est une peur. Okay? Il y a une peur, c'est toujours une peur. Le deux des épées, ça indique beaucoup des inquiétudes et une peur. Donc, c'est ça. Je vais aller vous chercher une chanson et je vais terminer cette belle lecture pour les trois groupes. On va aller chercher une chanson pour vous. La première chanson qui tombe. On y va avec Lessons in Love de Level 42 que je vais coller dans la boîte de description pour vous. Euh, cette chanson va vraiment avec cette lecture ici, les leçons en amour. Donc c'est très très beau. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là tout le monde. Merci. Je vous reviens très bientôt avec une autre mini-lecture, avec une lecture pour les célibataires. Et c'est ça. Je vous souhaite tellement une belle journée. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.